تشجيع الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج على العودة للاستثمار في الجزائر وجهة تسعى إلى تجديدها غرف الصناعة والتجارة الممثلة للجزائر بالخارج، مبادرة نتعرف عليها في سياق تقرير سوريا شعلال وكمال بوعز عبيد. Venez nous voir à Paris. Voilà. On va pour vous présenter des investisseurs, on va vous présenter des partenaires qui sont capables de rassembler toute la diaspora de la région. Vous savez que... إنشاء جسر تواصل يربط بين عين تيموشنت وباريس، خطوة لتحريك العلاقات بين مستثمري الضفتين لإنعاش القطاع الاقتصادي بالجزائر. Dans le monde touristique, dans le monde industriel et dans le monde de l'agriculture. Notre délégation a apprécié l'accueil, qui était un accueil grandiose, vous avez bien remarqué. Vraiment, nous avons eu une réunion de travail qui va ouvrir un pont entre les deux côtés de la Méditerranée, entre Tmouchent et Paris. Et beaucoup des investisseurs qui sont avec nous, beaucoup de notre délégation sont intéressés par des projets et entreprendre dans cette région qui est magnifique. استقطاب الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من أجل الاستثمار بأرض الوطن يبقى مرهونا بتسهيلات نظرائهم المحليين ومدى تشجيعهم لهذه الشريحة. Potentiel, c'est votre diaspora. Vous avez 10 millions d'Algériens dans le monde. Au lieu d'aller en Tunisie, au Maroc, il faut les séduire, il faut qu'ils viennent ici. Mais j'ai chez le Goudena, vous savez. عودة الجالية الجزائرية المغتربة بحقيبة استثمارية للبلاد في هذا الظرف يعتمد بشكل كبير على تحرك غرف الصناعة والتجارة الممثلة للجزائر بالخارج ولعبها لدورها كما ينبغي.